Jeunesse, autorité policière présenté plusieurs individus qui ont arrêté dans pour mauvaise affaire et des nègres qui t'a impliqué dans deux cas de kidnapping, dans détourner camion marchandises, dans faire zak malhonnête sous des monde en d'un pays dans diverses localités. Ça veut dire que DCPJ à travers SDPJ dans différents côtés, ils ont pas campé dans quatre opérations qui a mené. On façon pour montrer que comment que yo a travaillé quand même malgré tout plein qui gagne et malgré à toute population pour que j'aime capable combler, mais quand même les gars essayer montrer que comment que y a essayé avancer. En même temps tout d'ici Venesse, m'a regardé une petite vidéo, m'pas connait si c'est ISO parce que m'a oublié, c'est ISO qui habite mettre drone en l'air. M'a regardé une petite vidéo côté que drone nèg j'ai contrôlé comment que un ensemble de chars blindés a déplacé dans quatre opérations qui a mené. Ça veut dire jusqu'à présent que force de l'audio yo pas capable de contrôler cette question drone que ISO a pété mettez volé en les têtes policiers dans opération. Et moi même pense que ça sont véritable désordre. Et ben c'est ça son bagage pour résoudre rapide au presto parce que sinon et permettre que à chaque fois que il y a des opérations qui sont menées que ISO à travers équipe li capable contrôler déplacement policier yo capable contrôler déplacement et chariot c'est vraiment un véritable désordre et ben c'est que faut que ça prend très au sérieux bon côté autorité et policière autorité qui n'a plus au niveau dans l'état pour aller comment que yo capable gérer situation ça. Désir, malgré un pile alerte, malgré un pile SOS que moun nan Sodo lancé, mais jusqu'à présent, Bill Sodo li toujours sous menace bandit armé. Malgré tout effort, malgré toute alerte, malgré toute disposition qu'a prend, mais Bill Sodo li sous menace bandit canarin que Jeff Gaulois a dirigé. Est-ce que autorité policière yo, y a rete pour que Sodo, moun Sodo victime en bas mes bandits Jeff Canaran. Et ils sont jetés qu'on l'a, ils ont 5 secondes, ils même fait action pâle dans la zone ça des Ivenes. PM Gary Konibale, monsieur, montre que y a de gros avancées qu'a fait dans la question de sécurité. Hein? En tout cas, zamete à notre nouyo, nous prenons le temps de PM Gary Koni. Et de sa PM n'a dit, avec de ça que nous-mêmes n'a vivre, nous allons pouvoir réaction que nous capable faire à travers les commentaires des Ivenes. Et désir, humiliation continue à prendre bon côté soi-disant autorité nous yo sous les Nations Unies et Edgar Leblanc fils monsieur arrivé aux États-Unis et dans journée mardi 24 septembre nan, il t'a dû prendre la parole jeudi 26 septembre 2024 la Désir Venez dans occasion 79e assemblée générale Nations Unies Désir Venez. La situation dans lundi 23 septembre 2024 qui se passe à programme social que le gouvernement est pratiquement annoncé à qui a dirigé par Dr. Gary Koni, qui est premier ministre chef gouvernement pays. Eh bien, il a déboursé une enveloppe plus passé 9,391 milliards de gourdes pour être capable d'exécuter 22 projets qui incluent dans le programme SILA, qui est le programme urgence multi-secteur dans le ministère des Affaires sociales, ensemble avec 5 autres ministères parmi eux, Genfaes, qui pourraient assurer application et programme si là et qui pourra permettre que le gouvernement li respecte ensemble promesse sociale qu'elle te fait avec population qui pratiquement dans situation très difficile parmi et moyen qui pourra permettre que l'agence arrive plein de personnes pour gagner action qui planifié et yo gagner transfert l'argent particulièrement pour bail parents élèves l'école qui dans l'école d'état yo et yo garder tout avec travail sous prétention assurance pour monde qui déplacé cap vivre dans kan yo distribution manger et qui se place à ou se manger, ça veut dire quitte que vous galbaye moun sa yo ou yo capable à manger dans l'agence que vous fait quoi que vous débloquez à ensemble à support pour capable et pour entrepreneur agricole yo à ti entrepreneur yo c'est ça que yo informé et bless personne avec peuple haïtien qui pratiquement après tant et fort nous dit et qui gala dans tout et ministère affaires sociales Georges Wilbert Franck pendant une conférence pour la presse qu'elle était informé la république sous décision c'est là que gouvernement prend gagner pour le prendre. Premier ministre Dr. Gary Koni déclaré Blaise Peterson, Haïti pas doué de yon, Haïti pas doué oublié dans engagement collectif
que monde là te prend en année 2015 à travers objectif développement durable SDGS pour capable pour côté pral gain des millions haïtiens qui pratiquement te gain promesse mondiale et ça a gain une importance essentielle nan et ça a gain pour ouais nan bataille qui a mené là surtout dans déplacement la rafraîchi mémoire ensemble autorité qui dans communauté internationale là yo gain pour ouais ça qui gain pour avec restauration sécurité amélioration dans condition la vie monde qui pile vulnérable en dedans pays a organisation élection libre à transparence et li garder tout ça qui gain pour avec renaissance économique pays dans le contexte qui est extrêmement difficile là. Selon le premier ministre, le fait quoi? C'est un impératif pour la communauté internationale là, reconnaître que l'accomplissement ODGA et en Haïti pral possible seulement avec plus de support pour renforcer l'institution. Li garde question stabilité ou bien stabiliser la situation, sécurité qui gagne dans le pays et investi dans le programme développement durable qui affecte directement le secteur essentiel. Et tant que l'on a dit, éducation, santé, création, opportunité économique, et gardez tout avec haïtiens qui méritent blessé personne et vivent plus bien dans un pays côté dignité, être humain, pratiquement respecté, préservé, côté chaque citoyen capable de participer dans un avenir qui puis prospère et qui capable, équitable, dans ça qui vient pour être dans harmonie, selon Premier ministre Dr. Gary Conny, c'était dans entente ça, que monde de Chita, sous un programme qui vient comme sigli ODG. OK, c'est dans cas ça que nous demandons pour un engagement renouvelé bon côté tout acteur international pour que Haïti pas arrêter derrière mais intégrer dans effort mondial qui visait déraciner pauvreté, encourager la paix et assurer un développement inclusif pour tout le monde qui vit dans monde là. Docteur Gary Conny, le premier ministre tourne avion de la personne avec un slogan dans tout dernier moment, nous pas faire bac parce que nous connaissons avion pas faire bac. Et le slogan premier ministre pour qu'on y a des personnes, c'est nous pas faire bac. Par contre, ce qui s'appelle pas faire bac, mais il y a un pile cause qui dit, nous, ouais, au lieu c'est avant qu'on fait des personnes, c'est bac qu'on fait surtout dans ça qui vient pour avec question insécurité qu'on a brassé, bill pays d'Haïti. Président, parce que c'est 7 présidents, quand on dit président, il a participé. 9 présidents, mon cher, au lieu de 7, 9 présidents, mon cher. Mais qu'on a dit. Il a minimisé l'autre observateur. Il y a des présidents États-Unis, dans le conseil là, il y a des présidents dans États-Unis là. Ah bon, ok, très bien. Président Leslie Voltaire dénonce un coup d'état diplomatique après un conflit protocole entre premier ministre Dr. Gary Conny et président pays Brésil là et concernant une rencontre Gary Conny et Lula da Silva te fait. D'après lui, ambassadeur Haïti dans Nations Unies te recevoir instruction formelle dans le ministre Affaires étrangères pour te organiser une rencontre pour premier ministre là au lieu pour président. Une violation d'après Voltaire. Li averti que yo pral chita, yo pral parler nan conseil président, nan conseil présidentiel transition et la tonne que Edgar Leblanc fils rivé pou yo konnen ki comportement que yo pral gen, ki position yo pral gen, ki sa yo pral gen pou yo fè blessé de son. Tête qui pral couper. Bon, c'est pour tête blessé de son. Tête qui pral couper. Nan diplomatie haïtienne nan la, par contre qui est-ce qui déjà konnen que la perdu job yo? Mais nan question sa blaise, en pile de gars ka gen en fait. Parce que les nègres la connaissent, ils prennent le job, pas qu'un qui est impossible pour le faire. Et tout qui est-ce qui prend le PL, c'est la population haïtienne qui prend le PL. Parce que si nous regardons le modèle comportement autorité, ça au clair. Il n'y a pas de pays à craser, il n'y a pas de pays à craser. Le fait que vous-même, vous avez un petit intérêt par vous, vous gérez la question par vous, vous gérez l'avenir par vous, vous gérez l'avenir petit. Parce que madame yo avec petit, pas vivant dans le pays. Madame yo avec petit, en France, Canada et Royaume-Uni, il y a bien passé. Vous même tout simplement venu faire un job pour augmenter son capital. C'est haïtien qui pratiquement dit, c'est là que les ancêtres ont été boumés, qui te permettent de vivre, c'est là que tu es personne. Malheureusement, pas de rien qui a fait. Ni bon côté KPTA, ni bon côté la primature qui a Gary Conny qui a dirigé. Au contraire, Gary Conny fait un ensemble de promesses. Moun te voit au moins que la vie a pas venir en rose. Mais après ensemble de promesses, on t'a bien aimé. Et moun qui attendait nous cap garder nous la blessé personne, dit qui ça que vous comprenez depuis lors que Gary Conny retourné, il est venu dans le pays. C'est après 13 mois. Gary Conny retourné. Et retourné. C'est. Après 13 ans, bien 13 ans. Après 13 ans. Merci. Après 13 ans. Il retourné, c'est dans une mission. Qui côté le terrain? Et c'est pas sans raison tout blessé personne. Qui permet que Gary Conny estime qu'elle était dû aller dans les Nations Unies. Pas oublier ces Nations Unies. Pas oublier ces éléments de Nations Unies. Et la Kaili. C'est là le travail. Au contraire,
Et au lieu que nous ayons conseil présidentiel, et fin ou est mort dans pas l'empile, nous avons cherché compromis. Parce que monsieur Konn couloir, monsieur Konn qui tout qui j'en ai planifié, je vais être coquin, je vais être mettre dame dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Moi-même, pense que ça n'est pas tourner en faveur pays, et ça que nous-mêmes nous pas trop arrêté sur lui, mais nous permettre que les amis internautes tendez ensemble des positions, ensemble des déclarations, que nous avons fait et qui ça que vous avez. Claude Joseph rentre pratiquement dans une campagne, médiatique. Il fait conférence de presse, il invite dans diverses radios dans le niveau capital là pour la critiquer. Bilan, 100 jours, gouvernement Konn la, les personnes. Mais en pile, mon a dit que, est-ce que t'es un homme d'un coup, Claude Joseph, est-ce que t'es tridouate? Pour plusieurs raisons. Parce que, ou t'as dit, son aigle qui monte chita son blanche, et puis, rachin en mer, n'a fait coup de rach. Parce que, ou gen ministre dans le gouvernement, dans le conseil présidentiel de transition, mais on gonneg que Raoul Pierre-Louis, ancien président conseil d'administration, BNC, mette code dans le dire qu'elle devine Mandel 100 millions de gouttes. Jusqu'à présent, n'est-ce pas? Ouais, question honnêteté, il est perdu. Parce que dans le temps avant, soit après des gangs, il y a des personnes, il y a dit depuis que c'est volé, il y a dans un an. Eh bien, depuis le Vinchita, c'est garde-ou après tout pour la plevé quitter, à partir de ça, là, qu'on est. Quel est mon comportement qui n'est pas bon? Mais malheureusement, quand il y a ces volets, quand il y a ces criminels, c'est assassin, c'est eux-mêmes qui gagnent la voix au chapitre, c'est eux-mêmes qui parlent plus. Et nous besoin de engagement. Haïtien, besoin de engagement. Pas de l'autre. Vous cap sauter sinon l'autre pays pas gagne l'autre nation cap vinn là pour changer ça c'est nous même qui pour arranger pour changer conditions de vie pour cette situation pas correct il pas bon tout les situation moi t'a même demandé avec un pile parent là qui commente l'école pour petit monde même un pile parent t'a écrit dans commentaire émission ça comment rentrer l'école là pour petit yo même un pile monde la diaspora yo même tout t'a dit désir venesse est-ce que vous voulez bay pour radio Haïti avec petit monde qui va rentrer l'école parce que c'est vraiment important pour nous ça. Il est vraiment important pour nous comme ça. Comment aider? Comment est-il? Je supporte Timoun yo qui a ici dans moment qu'il entre l'école là. Parce que maintenant les comme on comme quantité comme nèg pral décaisser là déjà by FAES on quantité disparant puis on ka voyer on veut très bien. 9 milliards 391 millions de gouttes. Nèg pas on se consacrer aux 20 000 gouttes pour pas capable préparer entre l'école Timoun yo. 20 000 gouttes, mes amis. Pour parents capables de préparer à entrer l'école petite li. On soulier Blaise, on soulier pour 5 000 gouttes. Et on valise et au moins pour 3 500 gouttes, on 700 dollars. Et kaye, livre pour Timoun, livre bon goût l'argent Blaise, chaque livre pour petit presque 2500 gouttes ou bien 1000 gouttes, tout dépend de livre que Timoun a acheté. Moi, c'est été notre kenek yo a fait. Ah, monsieur. Tout le monde soit content de yon kalbay 20 000 goud, yon kalbay 50 000 goud. Il tout sélectionné. Blaise. Yon sélectionné. C'est yon, c'est nos amis taille qui le kalbay, parce que je dis, hein, pas oublier, c'est yon gouvernement, yon de son gouvernement de largement, et de large consensus. Ok? C'est de large consensus qui mettait gouvernement ça là. Gen de moun qui peut satisfaire. Parce que gen de glake ou fait presser pal toyo. Et pour yon te vin magistrat, jusqu'à présent, yon ka magistrat. Au moins, yon te gen de militants qui étaient avec yon Blaise. Pour que y ait un petit bagage pour calmer militant yo. Chaque nèg sa ou gata fait papier blanche nan men yo qui imprimé avec nom prénom et signe, OK? Et numéro téléphone mon cash ou bien notre cash. Pour au moins que au filer le baron ministre, pour au moins que au filer le bay directeur général non ministère, pour au moins permettre que j'en descend en 300 moun. Mais moun qui nan kan yo, c'est pas eux même que bagage a besoin. Moun yo ka payer l'école et moun yo ka ba l'état l'argent. Ouais, 9 milliards 391 millions de gouttes ça, mais c'est ça. Je garantis, dans deux mois, si nous avons pas de sécurité dans le pays, paysan, si machin, madame Sarah, il y a pas de l'État comme ça. Dans le commerce qu'il a fait, dans le produit qu'il a fait dans l'agriculture. C'est ça, ok, vous demandez l'État. Vous demandez l'État, mettez sécurité, vous pouvez vacuer avec activité, c'est pas chercher vieux kit qui sorti dans la communauté internationale pour respirer, qui va venir ouvrir les maladies. C'est pas ça que vous demandez. Ce n'est pas plat manger que vous demandez. Parce que vous avez parlé de plat chaud que vous avez bail. Mais ce n'est pas ça que vous demandez. Vous demandez pour bailler la sécurité. Vous êtes capable de retourner la caille. Parce que vous avez vivre la caille. Vous avez vivre bien. Mais vous avez mangé chaque jour. Vous n'avez pas de manger à vous que vous avez bail. C'est la sécurité que vous demandez. Et ça fait, chaque grain haïtien qui garde le capitaine là. Si vous êtes dans le pays, ou bien dans le pays, ou estimez que l'insécurité a dérangé, dans chaque émission, partie commentaire, ou bien droit de réagir. Mande autorité qui ça a fait. Dans telle zone qu'on sorti, questionnez-vous. Vini. Si c'est sous sorti la Tibonite, sous sorti Grandance, sous sorti non,
vin mande autorité yo en bas émission Carrefour vérité. Di yo ki ça y a fait, mais qui problème que la ka ou gagne par rapport avec insécurité a. Di yo mais qui ça que la ka ou bail comme denrée qui ka bail gros l'argent. Dans qui sorti dans secteur informel là parce que majorité ça qui dans budget l'état, c'est dans secteur informel là qu'elle sorti. Vin di yo mais qui richesse ko gagne la ka ou. Yo suspend penser que ka passer moun dans bêtise pendant pays a. Parce que c'est toute manière pouvoir de transition et c'est vache à lait. Parce que nèg yo a arrangé ou là et y a tiré bouchon ba mamel. Pour yon capable de tete. C'est tete nèg yo a tete. Parce que nèg yo gen longtemps, y a pile nèg yo là qui gen longtemps qui est au dehors de la situation. Yo pa gen bout de zone nan mayo. Son bout de zone kembe nan mayo là. Difficile pour retirer. Ba kon sou kon wè. Sou kon wè chien en Haïti. Et te met y a ba yon coup de bâton, zo a nan boucho, y a kou yon avec zo a yon pap kite. C'est ça, y a pile nèg yo là. Exact. Parce que ou pa gwa se coup de bois que Edgar Leblanc fils prend. Li fait quoi, les îles pas braler. Malgré ça, li allez quand même. Li allez quand même. Bien représenté, mal représenté, li braler quand même. Et moins j'ai l'impression, pas que Haïtien, pas contre qui ça égale mon fils Brasi. Li Brasi, tout est sous contrôle. Li Brasi, et pays a quasiment, et avec effort que la police a fait, yon a récupéré un paquet d'espace. Yon a dit que l'hôpital général, qui ça fait, yon a fait, yon a fait fonctionner. Mais on continue à bluffer le monde. Premier ministre, Dr. Gayekoni, on peut parler avec et confrère Valérie Saint-Louis, pas vrai? Dans la frère d'Amérique. Exactement. C'est presque ça qu'il dit. C'est même bagaille Edgar Leblanc-Fils de Grenade. C'est lui, il a répété. Et je dis même quoi? Que peuple haïtien a besoin de une réponse. Et réponse, il a besoin de bailler. C'est depuis l'air venu atterri dans l'aéroport international de Saint-Louis-Vêture. Il a besoin de jouer au moins 2-3 millions de monde. Ou bien 2-3 000 monde, 5-6 000 monde. Qu'il a retenu dans l'aéroport. Pour aller bailler mon épiation, pour faire respecter mon. Parce que nous n'avons pas entendre pour continuer à passer son père de bêtises comme ça. Blaise, mon yo souffre, mon yo gagne, mais mon yo mourit. Mon yo gagne souffre, souffre la cap bat, souffre la crête, mais mon yo pas vivre en Haïti, quel que soit côté mon yo est, en dehors de Blaise, personne. Mon yo vivre avec mon inquiétude, mon yo père Blaise. Maintenant, venez avec PM Gayekoni et puis nous faisons débat sur lui parce que nous avons défendu le débat sur lui désir. Je vois que j'ai un plaisir, même privilège, ça, pour nous rencontrer avec le Premier ministre Gayekoni, une personnalité importante à un moment, ça, et tout dans le contexte 79e Assemblée générale des Nations Unies. Merci pour moi, ça, quoi, passer ensemble avec nous, et puis encore une fois, et pays après le temps d'eau. Je salue Valérie, je salue tout auditeur, c'est vraiment un plaisir pour me calabre à soi. Merci pour ça. On commence. Nations Unies, au présent, 79e session, hein, et au présent comme Premier ministre haïtien, qui ça qui gagne aujourd'hui pour Haïti dans les Nations Unies et à qui ça Haïti a sauté la donne? Effectivement, Valérie, moi là, comme membre de délégation, pour nous profiter de la période ça, qui est l'Assemblée générale, pour nous faire des contacts importants avec des pays, pas seulement des pays, mais des organisations internationales, des partenaires qui ont influence ou qui ont. On lien avec la situation que Haïti a vive aujourd'hui. Généralement, là, on a une assemblée générale où il y a deux composantes. On a une partie plus formelle, là, que généralement, c'est chef de délégation, hein, président de la République, qui va faire discours de circonstances, etc. Donc, on a l'autre partie qui est tout aussi importante, c'est ça qu'a fait en marge. On va rencontrer des mondes, on va parler à monde, on va profiter pour ces agendas. Donc, nous, là, je dis, c'est parce que, évidemment, nous venons faire un compte avec des pays, des leaders internationaux, pour nous expliquer aux causes de situation haïtienne, ils vont nous essayer de remobiliser autour d'Haïti. Et ceci, c'est très important pour la population à comprendre. Le NAPGA des crises haïtiennes, il y a différentes facettes là-dedans, mais un élément qui est très important pour la solution aux crises là, c'est la nécessité pour nous accompagnement tant en termes de ressources financières, tant en termes d'accompagnement technique, qu'en termes de solidarité internationale, pour nous capables effectivement résoudre la crise là. Qui s'est sorti pour nous? Nous venons avec un agenda chargé pour nous rencontrer des personnalités clés. Chaque personnalité, chaque organisation, chaque groupe que nous avons rencontré était une intention. Je dis, par exemple, nous rencontrons le Premier ministre Trudeau. Nous faisons une conversation d'abord en tête à tête avec elle, mais ensuite avec Canada, ils ont été réunis tout un groupe de pays qui est amis et qui supportait Haïti, qui était dans une plateforme, nous faisons un plaidoyer, un, sur ça, nous réaliser. Pendant la période 100 jours qui sont passés, deux, expliquer aux gravités de la crise haïtienne qui est largement sous-estimée, trois, présenter une vision de ça nous défait sur les 15-16 prochains mois, quatre, rappeler que vous avez fait des engagements, il faut qu'il y ait un engagement. Chaque fois que nous faisons, passer comme ça un peu plus tard dans la journée. Contre le président Lula, par exemple, oui, c'est ça. Nous parler non seulement de collaboration, de coopération Brésil,
Haïti, particulièrement dans le domaine technique, comme la sécurité, mais dans le domaine plus vaste, le développement. C'est vraiment une discussion sur la coopération. Mais surtout, nous demandons au président Lula pour l'utiliser réseau, pour l'appuyer, l'effort de plaidoyer qu'on a fait avec l'autre pays à travers le monde, et particulièrement pour l'aider nous mobiliser l'Amérique latine autour de la crise haïtienne, parce que nous nécessitons pour ça faire. Très bien. Et puis, ensemble avec le Premier ministre jamaïcain, tout. Jamaïque qui, quand même, enfin, un joueur important, c'est aussi. Il y a des militaires que vous voyez, des policiers, nous dit plutôt. Il y a un grand contingent d'à peu près 21 personnes. Il a rassuré nous que son déploiement a fait par phase. Il y a un OK. coup de main au niveau de Baie-Port-au-Prince et de protection port là qui est excessivement important. Mais surtout, Jamaïque fait partie de CARICOM qui ont influence au niveau de l'Assemblée des pays dans différents fora internationaux. Il était archi important pour m'expliquer le Premier ministre Jamaïque. Côté nous, il y a l'évaluation de situation. Vous pouvez aider, nous faire plaidoyer ça à d'autres niveaux. Donc, c'est une rencontre très intéressante. Évidemment, je suis toujours impressionné par le fait que tous les leaders sont très engagés à suivre Haïti de près, remettre Haïti à tout cœur, voulez que la population haïtienne en fait mieux, réitérer le fait que vous-même êtes engagé jusqu'au bout et rappeler que vous parlez pour accompagner et fournir jusqu'à la victoire finale, le succès final. Très bien. On permet de faire un petit saut dans le contexte des Nations Unies, hein, qui c'est 79e Assemblée, hein, que vous-même, et puis évidemment, on l'autre partie dans la délégation, tu as supposé là, nous allons parler de ça tout à l'heure, mais c'est sûr que Haïtien qui a vécu à l'extérieur du pays, il y a regardé VOA Creole tout, Haïtien qui en Haïti, au monde couvert, je suis à vos côtés, c'est sûr que, et c'est certain que vous voulez tantôt, dire qui est en situation insécurité. Ou même dit situation insécurité, mais pas parler de situation sécurité, parce que je crois que jusqu'à présent, Premier ministre, et vous prenez tout du doigt carrément, pas fait rien. Bandi, vous prenez plus terrain, vous valez terrain. Mon dame là, dans la diaspora, elle a regardé dans le moment là, monsieur, ça, l'envie à la carrière, il peut, ou responsable, ou ses chefs gouvernement, pas ou même seulement, c'est sûr, qui soit gardé, mon, ça, est-ce qu'on va être fait vraiment? D'abord, il faut me dire que l'impatience est légitime. Oui, Pas d'excuse, soit vivre dans la diaspora, encore plus, soit vivre en Haïti, soit sont déplacés, ou pas le coup, ils soient ni là, quand, soit sont, ou en pile, moun que vous rencontrez, quitter la caillou, ou pas qu'à retourner la caillou, ou moun yon a vivre une situation de peur. Donc, il faut me dire que comprendre et me sensible à la situation de peur que moun yon a vivre. C'est le premier point pour me faire. Pas OK. d'excuse pour ça, il faut reconnaître. Mais deuxième point pour me faire, c'est que lors d'une situation côté 80-85% zone métropolitaine, contrôlé par des gangs armés, presque 200 et quelques gangs, on a parlé de 4 à 6 000 personnes, ou entrer dans une situation de crise côté guerre référence pour lui. Exemple que nous gagnons, c'est que Bukele, El Salvador, il y a un contexte de gang à Cali, il y a 300 et quelques policiers par 100 000 habitants, il y a l'armée pour moitié population, pardon, il y a 4 500 militaires, il y a une technologie, il y a un tank, il y a un drone, il y a toute qualité d'équipement. Ça prend 2 3 ans avant pour commencer. Et d'ailleurs, le commencé à approcher la sécurité à premier mois, c'est un échec cuisant. Ça prend des années pour l'arriver, mettre main sous sécurité. Alors, pour un Jamaïque, qui était une crise sécuritaire dans les années 80, qui était énorme, il y a 300 policiers par 100 000 habitants, il y a l'armée, il y a technologie, il y a une structure. Alors, pour un Brésil, qui est 65, mais et Mkabo, des exemples et des exemples. Nous t'ai dit, population haïtienne, dès le début, que problème, nous, jeunes, là, sont un problème qui pourra le prendre temps, parce que nous-mêmes en Haïti, nous avons moins que 70 policiers par 100 000 habitants. Nous n'avons pas gagné le nombre. Deuxièmement, c'est pour une police qui était franchement entraînée pour genre de combat, ça a pu la peine. Là, qui c'est pratiquement guérilla urbaine. Troisièmement, nous avons une police qui est sous-équipée. Quatrièmement, nous pas bien l'armée qui est impliquée vraiment dans la bataille là, alors qu'on peut aller dans tout le pays, ça. Ils ont décrété l'état d'urgence en moment de crise, essentiellement parce que vous avez rentré l'armée dans le combat. Nous-mêmes, malheureusement, nous avons moins que 1 000 soldats qui ont même été éparpillés, là, surtout des zones dans des responsabilités de protection de sites fixes. Donc, premier bail, nous obligé de faire pour résoudre cette crise-là, c'est nous changer le commandement de l'armée. Nous OK. porter plus d'énergie, pour nous porter plus de pouvoir, nous porter une nouvelle vision de sa problème et qu'on veut résoudre. Deuxième bail, nous fait, c'est qu'on introduit l'armée en question. Nous vraiment établi que l'armée et la police a fait opération ensemble, c'est la première fois. Et depuis environ plus que 3 semaines, ou après que l'armée et la police a fait opération sérieuse côté eux, une bonne partie de Solino, une bonne partie de Bel Air, côté que moins quoi que très vite,
gens qui retournent à la caillou n'a pas avancé sur. Contrairement à ce qui est fait avant, nous ne sommes pas contents de faire une opération. Nous faisons une opération et puis nous consolider. Et c'est ça l'affaire. Il faut faire une opération, il faut consolider pour que l'État qu'on y arrive très vite, pour construire sa santé, pour construire l'hôpital, pour construire l'école, établir poste de police pour la population qui a retourné. Son aucune chaîne d'opération et nous pour quelqu'un pour nous faire l'opération. Ça a 14 fois. Plus faut nous ouvrir ou du nord. 14 fois. Parce que là, on a au moins 14 quartiers, côté quoi, pour obligé faire le même type d'opération pour faire. Obligé à le faire dans le village de Turo. Obligé à faire le rapide. Est-ce que l'opération permet de m'interrompre? Est-ce que l'opération bat le résultat? Parce que la perception, c'est que pas un gros chef bandit qui arrêté ni tombé, à nous dire ça, dans ce sens. Il y a trois composantes là que faut comprendre. Il y a un gros chef bandit, mais même lorsque tu apprends un gros chef bandit, ça ne peut pas retirer nécessité pour reprendre un territoire considéré que, comme territoire perdu. Généralement, okay. Lorsque un chef bandit, on l'autre qui remplace. Donc, opération à faire, qui sont opérations, caille par caille. Ça fait me parler de guérilla urbaine presque. Là où est monsieur la police, avec leur courage, monsieur l'armée, on va pas entrer dans une zone solide. C'est caille transformée en piège pour eux. Donc, c'est vraiment nettoyer caille par caille, chercher bandit caille par caille, avancer quartier par quartier, son opération. Énorme, excessivement complexe, qui m'a donné précision, qui m'a donné niveau d'intelligence. Entre temps, évidemment, il y a trois contraintes. Un, vous voulez minimiser le nombre de citoyens civils qui blessés. Deux, vous voulez absolument consolider l'opération. Trois, vous voulez minimiser tout risque pour les policiers ou avec les soldats ou qui risquent de vivre. Donc, vous pouvez regarder n'importe qui référence au monde, vous mettez mon défi dans mon référence au monde, côté qu'avec 3, 4, 5, 10 fois plus de moyens que nous avons, ce sont bagailles qui pourraient parce que nous avons été dans une situation qui est catastrophique. Donc, nous rentrons avec nos leadership dans la police, là, qui lui-même fait évaluation. Parle. Deuxième, bah, il nous fait que nous avons même nous comprendre. Le même arrivé, nous joignons un, toute stratégie sécurité à reposer sous la police. Ça, tout, c'est qu'on va qui a un sens. Nous avons une référence pour ça. Généralement, on va pas brocher un problème de sécurité qui a cette ampleur ou un paquet d'autres composantes qui étaient très importantes. L'armée, c'est la participation de la communauté, le désarmement, la justice, les investissements en matière de... Donc, tout ça, c'est négligé. L'implication du ministère de l'Intérieur. Pas de plan stratégique pour résoudre le problème sécuritaire. C'est plutôt une approche réactive. On dit attaquer ma droite, mal défendre moi à droite. On dit attaquer ma gauche, mal défendre moi en gauche. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, avec l'appui des meilleurs experts nationaux et internationaux qui travaillent avec nous, c'est ça la vérité, nous définissons une stratégie qui est très complète, qui est compréhensive, qui permet de nous avancer pas par pas pour nous récupérer quartier par quartier, caille par caille, pour nous retourner à la caille. La réponse à ta question, c'est oui. Descendre à Haïti, les mon Haïti, mandé, y a toujours dit, y a descendre dans Badelma, y a pas de café là avant. Rele mon Haïti, y a dit, y a arrivé, bon, palais national, y a pas de café là avant. Rele mon, et Port-au-Prince, dans un Delma, y a pas de café là avant. La nuit, y a café là avant. Rele aéroport national, y a tout, avion rentré. Matissan, y a pas passé. Non, y a pas, Matissan, ou pourquoi non, Matissan, du tout, zone, ça y a toujours bloqué. Ok. À la fois, on ne peut pas encore prendre la route du Nord, on ne peut pas encore prendre la route du Sud. Ça fait partie de priorités stratégiques que la police l'a emmené avec force répressive. Y a gain. Mais on a fait le nous bien parer, le nous bien suffisamment d'équipement, l'intelligence nous bon, le nous succulent minimiser risque pour policiers, nous, le nous sentir tout l'un fin opération, nous qu'à consolider. C'est ça la chose responsable à faire. Donc, nous connaissons nos patients, nous connaissons, c'est normal, nous avons souffert. Mais nous-mêmes, en tant que l'État responsable, nous sommes obligés de faire barrière. Mais rappelons que, après le premier mois que j'étais en Haïti, il y a pile de monde qui prend la radio, qui a dit comment on fait pour faire ceci. La vérité, c'est que nous-mêmes, nous te connaissons que dans quelques semaines, nous avons plus d'une trentaine de nouveaux blindés et que mission, nous avons plus d'une trentaine de nouveaux blindés. Nous avons l'autre qualité instrument, nous avons l'autre qualité intelligence. Donc, nous avons pris le temps de réunir et de renforcer nos capacités parce que plus nous avons capacité, moins nous avons, ça veut dire collateral damage, moins tout nous mettons les policiers. Malheureusement, et ça me fait ça à lui, nous perdu policiers ces derniers temps, et nous payons son bail qui déchire que alors sont responsables et que vous voyez policiers à l'oumé et puis au mourir. C'est ça que fait pour nous prendre des décisions de façon. Mais ça me donne mes auditeurs, vous comprenez. Nous pas faire bac. N'a pas avancé progressivement. Film ça va aller, il n'y a aucun autre genre de film. Peu pas ici, à victorieux. Mais nous demandons que nous prenions patience, nous demandons que nous appliquions une méthodologie rigide, nous demandons que nous campions derrière la police avec l'armée, nous demandons que la population joue le rôle, nous demandons que l'État subventionne et supporte les efforts, nous demandons que les partenaires tout jouent le rôle. Je me rappelle, la communauté internationale a promis depuis des mois plus de 2500 polices.
Jusqu'à présent, c'est 400 seulement. Pour qui ça? Nous arrivons septembre parce qu'il y a un problème pour mobiliser comme l'argent pour que le déploiement soit fait. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous, là, à New York, c'est pour nous venir mettre pression sur eux. L'AVC a expliqué nous que nous paquet de notre priorité dans le monde pour nous camper, pour nous garder dans les yeux, pour nous dire que si mon Haïtien qui a souffert, je dis, pas mérité moins que si mon qui est en Ukraine, que si mon qui est dans l'autre pays de crise, et que Haïti, je dis, a besoin de solidarité, il faut une bonne solidarité, il faut fait preuve. Deuxième bain, on a fait valoir pas de qu'on fait avant. Pendant que nous avons dit communauté internationale, il faut le respecter l'engagement, nous ne pouvons pas camper. Nous avons utilisé les moyens pas nous, assets pas nous, ressources pas nous de manière beaucoup plus efficace. C'est pour ça que Jean Dourlan, ça a pris notre équipe pour que finalement on commence ouais, pour la première fois l'armée d'Haïti avec la police d'Haïti, main dans la main qu'a fait opération Kadou, qui sont forces terribles. Et dans cas d'espèce là, dans pile bandit, je dis à Kambakaban, parce que j'ai senti l'État avancer sur une très 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 fière le monsieur la police à l'armée et le travail à faire, je dis à. Ma bonne opportunité pour rapidement quelques minutes, parce que c'est l'important, la plus importante pour tout. Éclaircir, oui, mais ça, peut-être mon cap parle en pilio, s'il vous plaît. Enfin, ou venir en première, enfin, première délégation venir, président conseil là, pas de venir, t'es gagné si problème avec lui, qui s'allie exactement, rapidement, juste pour éclaircir. Bonne opportunité, ça, pour éclaircir ça. Ce que je garde, c'est que le processus dans Barissa qui n'est pas nouveau du tout. La tortue pour te voyage avec Boniface, Mantelli te voyage avec Laurent Lamotte, il y a plusieurs présidents qui voyagent avec Premier ministre, il y a un roi qui voyage avec Premier ministre. Ça, c'est un bail qui est assez commun, hein, qui n'est pas aucune nouvelle du tout. Donc, dès le départ, moi, j'ai annoncé ça, je fais une note de presse qu'on a vérifiée. Je fais partie d'une seule délégation qui est présidée par président Edgar Leblanc. Et une note que nous sortons pour nous expliquer ça, n'a bien fait en marge de l'Assemblée. Pour ce qui concerne l'Assemblée, c'est généralement les chefs de délégation. Et c'est seulement lorsque le président ne peut pas être que le Premier ministre alors le fait. Donc, c'est le premier bail à nous faire, nous sortons une note. Deuxième bail à nous faire, c'est que le voyage-là, nous préparer avec le président Leblanc lui-même. Nous expliquer, ben, ça l'a fait, mais dimanche n'a fait, lui-même, mais dimanche lui-même n'est pas le fait pour qu'il y ait une cohésion. Donc, pas rien de délégation, qu'on seul qui préside pas, seul monde. Moi-même, je fais partie de délégation. Ça, par contre, tâche nous pas même. Je vais venir là pour me chiter à l'Assemblée. Tâche moi-même, c'est pour me compléter sa présidence pour le faire, selon propre responsabilité, vision et objectif. Paris, moi-même, je peux me compléter avec des bilatéraux parce que je vois dans New York, quand pile monde pour rencontrer, quand pile des matchs qui peuvent faire, quand pile suivi qui peuvent faire. Ouais, par exemple, que moi, vendredi soir, j'ai rencontré un paquet d'experts techniques en Colombie, le président va bien faire ça. Ouais, comme j'ai rencontré avec le premier ministre Jamaïque, le président lui-même, il a bien l'autre objectif. Pardon. Une seule délégation dès le départ, la première chose. Deuxièmement, le dimanche qui fait pour capable gagner Secret Service là, les manières systématiques ou écrit d'abord aux Nations Unies, ce qui a été fait. Et d'ailleurs, à ce que moi j'ai pu comprendre, l'aide qui concernait le président Leblanc, elle est en Bamna. Donc, il n'est pas maintenant aller après. Et ensuite, processus assez systématique, Nations Unies contactées, département d'État ont service approprié, service à lui-même, il décidait que oui, la baille, non, pas baille, comment la baille, pour qui ça la baille. Et son système qui est pratiquement automatisé. Donc maintenant, ça a été. Grande a été ma surprise lorsque m'apprennent que bon difficulté pour que président Leblanc, qui sait et qui a toujours été le chef de cette seule délégation, ait une difficulté. Immédiatement, l'équipe l'entrée en branle pour essayer de comprendre ce qui a passé. J'ai compris que lui-même, il avait été avisé indirectement par ses collègues, par son staff, jusqu'à ce que, évidemment, bah, elle a escaladé. Entre-temps, je crois que le département d'État lui-même résout le problème. Et lui expliquer que le président Leblanc a bien toutes les facilités offertes à un chef d'État qui vient aux Nations Unies. Donc, vu situation Haïti, c'est tout à fait logique. Et puis d'ailleurs, nous avons un gros forum à organiser là, qui sont forums d'investissement mercredi. Côté là, nous avons presque 150 monde, dont de grands investisseurs qui viennent tendre nous. Pour qui ça? Parce que nous avons fait le plaidoyer que même si nous avons gardé question sécuritaire, il faut garder potentiel d'investissement dans le nord et dans le sud. Donc, nous réunissons un paquet de monde pour faire ça. Donc, il y a plusieurs éléments pour faire. Et vu qu'on a plusieurs éléments pour faire, ou déplacer à cette heure, incluant le président qui a fait plaidoyer, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, pour nous pousser la communauté internationale qui est essentielle pour le succès. Donc, le même dans nos paquets, oui, je
Moi-même, comme premier ministre, moi, pas une autorité pour me dire ni Nations Unies, ni Américains, mais qui m'ont pour bail, mais qui m'ont pour pas bail, y'a pas qu'un problème d'aime ça non plus. La délégation et tous les membres de la délégation ont la même démarche, ou m'ont des visas aux États-Unis d'abord, que y'a pas qu'à refuser en tant qu'État membre parce qu'on a vu les Nations Unies, ou écrit Nations Unies, ou décrit des délégations, badge fait. Ou en délégation, puis clairement établi qui moun ki gen doit VIP, VVIP, en fonction de rang et de place sous la délégation. C'est des affaires qu'on n'a aucun vu sur eux, aucun, jusqu'à ce qu'évidemment, il y ait un problème qui fait que eux-mêmes, pour une raison X ou Y, ils ont un blocage. Et au fur et à mesure que le blocage là, découvrir tout un processus que nous mettons en place pour nous comprendre les alliés et pour nous essayer de résoudre. Et de fait, j'en vois les résoudre. Donc, pas aucune ambiguïté, pas aucun bagage, une seule délégation présidée par M. Leblanc. Et évidemment que moi, j'accompagne avec comme mission de tenir des rencontres avec en marge de l'Assemblée dans le cadre de l'agenda qu'on s'est donné pendant cette transition. Premier ministre Goni, merci beaucoup. Désir, et nous faisons une note de tout ça qu'a dit beaucoup de PM Gaïkoni. Et nous, avec Géplice, va aller aborder. On commence à laisser soit prendre les trois, ou elle parler des questions sécuritaires, ou elle parle de détails. Et lui montrer que vraiment Désir venait, c'est que dans le dossier sécurité, hein, et oui, que tout le monde est capable d'accord ça, c'est une situation qui est tellement complexe. Que nous pas qu'à attendre au bon matin levé avec Rivé Gaïkouni, Rivé et Kapeteyan, Rivé Ramon Amil, comme si c'est comme son coup de éclair et puis tout bagarre résoudre ça. Nous pas qu'à mettre ça dans la tête. Et nous mettons toujours comme ça que ça souvent répété à travers plusieurs études qui fait gagner entre 80 à 85% région métropolitaine Port-au-Prince occupée par deux gangs armés. Dès qu'on est tout plus que 200 groupes gangs armés qui ça c'est on dit occupe un bon espace dans la région métropolitaine non bon qui évalue avec n'importe 6 000 combien jeunes garçons jeunes femmes qui donc quelque part nous pas qu'à aller au bon matin pour nous dire que bah nous allons éliminer ça et d'ailleurs nèg sa yo femme sa yo dans zone yo établi ghetto yo dans zone yo établi base yo c'est de quartier c'est de bidonville qui déjà gros problème de construction anarchique, qui gros ensemble de problèmes que, ou gros ensemble de paramètres que nous devons tenir compte de yo. Parce que, pas oublier, Gede Mouna, Yoela, et tout Iso, mais détruit 5 secondes, c'est à éliminer tout ça dans le village de Dieu. Bon, c'est Gede Mouna comme ça, well, parce que, clairement, dans le village, puis même pas de bon monde. Et surtout, l'en songe dans l'opération 12 mars. Non. Mais est-ce que c'est vrai, comme si des gens qui croient que pas de bon monde dans le village? C'est des questions qu'a posées. C'est des questions qu'a posées, là. Même Jean-Boubadelma, Badelma, même Jean-Boubou Saline, même Jean-Boubou l'autre côté qui est armé, est-ce qu'on a posé même réalité ça? Bon, moi-même avec vous, on va mieux placer pour nous être capable d'identifier qui est-ce qui c'est bon monde, qui est-ce qui pas bon monde, qui est-ce qui a rapport avec bandit armé, qui est-ce qui pas rapport avec bandit armé. Et où est que PM Gaïkouni? Monsieur, dans l'intervention, dans l'interview, ça, les montre que qui ensemble de précautions, il prend. D'abord, pour diminuer le risque, pour que pas de monde, dans la population civile qui est victime, pour nous saluer les dommages collatéraux, là. Et en même temps, pour diminuer, pour que pas de policiers et on dit de force de l'homme qui est victime, dans le cadre d'opération, ça, c'est vraiment important. Et pour permettre que, yo consolider l'espace côté que vous pouvez récupérer dans mes bandits armés, et tout ça, c'est des paramètres. Qui lié avec question réseau de sécurité. Hein. Et le fait que c'est des paramètres qui lié avec réseau de question de sécurité, hein, ou à quoi avec, et pas un bon matin, on a qu'à lever, et puis bon, tout le bagage résoudre. Mais qu'on y a, nous avons besoin de volonté, nous avons besoin de moyens. Bien que PM n'a montré que, bon, en termes de moyens jusqu'à présent, moins pourquoi de quoi, moins en termes matériels, en termes d'effectifs, tout, et l'hypocrisie gouvernement répond, imaginons, 70 policiers pour raison de. Combien 1000 policiers, 1000 habitants, ma son, j'estime même, c'est ma troupe. Ça veut dire, ouais, pas d'effectif même, ratio a vraiment petit. Et que des zones, là, pas de policiers, même. Ça, c'est vraiment important. Donc, là, est-ce que, avec une mission, si y a toujours que des missions multinationales, là, ou dis-moi, est-ce que si y a transformé en mission onusienne, qui pral ba nous effectif répondre, par exemple, indiquer une mission onusienne avec, et 7 à 8 000, 10 000 soldats et officiers, ça, Baba nous m'a dit, laisse ça, n'a pas qu'à mener des matériels, il n'y a pas qu'à mener des opérations, il n'y a pas capable de consolider un ensemble d'espace.
Mais j'entends là, par contre, goutte, et Kenya baille 300, et Jamaïque baille 20, Belize baille 2, et comment, ou t'es de Guatemala baille 154, mais ça, mais en sérieux. Là, là, ou beaucoup même prêt pour t'attirer, non, 1500 policiers, non, ou bien officiers dans la mission, hein? Et ou pas gon l'armée d'Haïti qui a un effectif et qui vraiment répond. Donc ça, PMG a connu mout ke problème effectif, mais que tout le monde d'accord. Parce que Jean Wenegop et c'est Jean Wenegop tabli Bazio là, en dedans Badelma, eh bien, ou est PM Nandou, et qu'on s'en va le faire dans le village de Dieu, et qu'on s'en fait dans la ravine, et qu'on s'en fait dans le Tibois, et qu'on s'en fait, m'gwèl dit n'importe 14 côtés. Elle dit, pour faire comme ça, pas n'est que mener opération après sa virée d'Onale. Mais c'est mener opération, dénicher, démanteler bandits, mais en même temps, tout, c'est consolider l'espace-là. Laissez-moi besoin effectif ou besoin matériel. Et il faut attendre tout, car il y a un peu de qui est capable de arriver en termes de conséquences. Je dis à fond, la MSC comprend m'analyser ça, mais dis-moi qu'on y a tout. Et j'appelle Mnabdian, il y a un temps devant eux, qui c'est 15 à 16 mois. Est-ce que si tout ça n'est pas réuni, est-ce que nous ne pouvons passer ni 15 mois ni 16 mois, on n'est pas jamais fait. Faut garder ça tout. Faut garder ça tout. Est-ce que nous pouvons faire 15 mois, 16 mois, en... si bagé ça que je dis en termes de conditions que l'international n'a pas respecté l'engagement que prend vers Haïti, est-ce que quelque part tout, pas jamais une solution? Est-ce que quelque part tout, il va jamais dénicher mon diamant? Alors, ce qui est une plus grosse responsabilité là, c'est de organiser l'élection. Mais pour l'élection organisée, il faut une sécurité. Pour placer bec, pour placer bed, pour mon aller voter, pour mon amener campagne. Je dis à me garder ça yo. Et l'autre dit 15 mois c'est en bas, c'est en bas de jour l'arrivé. C'est en bas de jour l'arrivé. Bon, m'pa konnen si fin année ya ba yo pral changer phase, si commencement année 2025 là, ba yo pral changer phase, mais moi-même moi là avec des nous là, n'a regarder, n'a observer, n'a analyser, n'a fourni ce garder pour nous des Ibenes. Non, bah je vois. Désolé, bah je vois. Bah je vois. Bon, passe tout bagage, ok, Kounia. Moi, forme. Yeah. Très bien. Nous prenons un peu de temps pour me tendre, Dr. Galconi, avec attention. Approche technique, scientifique, qu'elle fait autour des problèmes d'insécurité. Jusqu'ici, m'a dit que Dr. Galconi, correct. Mais ensemble, approche ça, Galconi a fait depuis l'aile fait vini. Comme chef gouvernement. Si vous faites approche répétée, vous n'avez pas quitter des parties théorie pour pratiquement rentrer dans la pratique, qui va permettre que vous ayez résultat visible. Si vous tendez Dr. Gaïkoni, c'est comme si zone chaud de masse, zone palais national, c'est des zones accessibles. Par contre, sous-tendez Dr. Gaïkoni dans ce sens. C'est des zones qui sont accessibles, population qui est là-dedans, j'en oublie. Mais, tout le monde connaît, c'est pas vrai. Moun ki ap gade n kap tande nan yo, ki pratiquement en Haïti, ou bien ki l'autre bord lo, yo connaît, c'est pas vrai. Parce que yo wè même Dr. Gaïkoni qui parlait comme premier ministre, lèl pral nan espace sa, ou des personnes, li besoin escorter de toute unité de combat qui yande dans la police, qui pour entourer, sans compter sécurité rapprochée qu'il gagne yo. Si l'ap déploye dans le chat de masse, faut que li gagne masse, faut que li gagne blindé, qui cadre tout chat de masse, et population, et li même li utilise casque. L'utiliser et gilet pas balle pour le descendre en bas tant que son militaire mais population pas militaire moins vle que autorité yo sincère dans sa abdi. Parce que ouais toutefois que n'a baï menti pour minimiser sa gain là les personnes la vin plus catastrophique la pose plus problème la entraîner plus dégâts en dedans pays la mettre plus haïtien possible dehors pour pas venir la caillou et gain pour devoir nous gon mission pour permettre que Mounio retourne vivre la caillou, pour permettre que Mounio aille vivre tant que j'ai vivre dans le temps avant. Je dis en parler avec la communauté internationale là, pour sensibiliser yo, pour venir avec moyens adéquats, c'est bien. Aborder question nord, grand nord pays a, axe qui mène dans le grand sud pays a, c'est correct. Planifier opération yo, et service renseignement, parce que l'argent qui a décaissé chaque mois pour ça, qui cap permet que vous ayez des bonnes informations et des vraies informations, qui cap permet que vous fait pénétration dans le foyer gang, côté où vous dans l'entrée dans le pays, qui a bail libre accès pour rentrer. Mais est-ce que, à travers ensemble opération ça, la prête
dans la République Port-au-Prince. Parce que vous avez l'impression que c'est la République Port-au-Prince. Tout essai qui fait dans la République Port-au-Prince n'a pas marché. Si vous essayez dans la ville province de Blaise Person, la porte des résultats et la gain impact sur le bandit qui est dans la ville province. Qui porte au prince. Parce que, quand il y a des je dis, hein, mariage population avec la police, il y a des résultats. Il y a des droits et grandos. Si vous regardez Grecier, ça fait qu'à faire la Blaise Person, vous plus senti violon accordé, ou plus senti mariage la fête en population en Grecier avec la police par rapport avec ça qu'a fait en Badelma, par rapport à ça qu'a fait en Cité Soleil, par rapport avec ça Solino, c'était mieux ou la population était mobilisée à tout ça que vous avez pour accompagner la police. Mais dans la région métropolitaine, c'est 80% qui sont contrôlés par les gangs armés. Combien de bandits qui ont arrêté? Combien de mourir? Si le Premier ministre a fait chiffre parce que lui a parlé, moi d'accord. L'elle dit l'autre, il y a un chef gang, il y a l'autre qui remplace. Mais tout le monde connaît Iso bel et bien vivant, Iso pas mourir. Tout le monde connaît Barbecue bel et bien vivant, il ne connaît pas mourir. Il n'y a pas de monde qui remplace. Et TikTok qui a fait, il a fait TikTok. Tout le monde connaît l'homme en soi vivant, il n'y a pas mourir, ce n'est pas le monde qui remplace. Tout le monde connaît également Jeff Larose, Jeff Goulois, le canard n'a pas mourir, ce n'est pas le monde qui remplace. Nixon et l'on ne savait pas mourir, mais il n'y a pas mourir. Ce n'est pas le monde qui remplace, c'est n'est que ça continue là. PM n'a pas vu la certes, mais. Yo a arrangé pour reprendre plus de territoire possible. Et ça, c'est niveau laxisme, irresponsabilité, incompétence, ensemble autorité. Parce que, n'est-ce qu'il y a un conseil présidentiel de transition qui te montre que c'est le gouvernement qui va te gagner, qui va te faire monter pour te aborder le problème. Mais le gouvernement a monté depuis qu'il a eu, monsieur, dame, ça, au souci de situation, ça, de situation d'insécurité. Ou t'as qu'à dire que sur l'insécurité, il vient de bagaille, car il est tout simplement comme chef CSPN et ministre intérieur à la collectivité territoriale. OK? Parce que pratiquement un combat si on pas éviter combat ça Blaise Person qui n'a mis dans messieurs dames yo non deux têtes pouvoir qu'elle était exécutif la présidence et dans la primature Blaise Person nous pratiquement pral nous pral n'a plongé dans problème pire et moi j'ai l'impression si c'est pas population qui a arrangé pour fond bagaille après assemblée générale Nations Unies en Blaise Person bagaille a vinn plus grave et c'est kounya ou pral ou à côté gouvernement ça pral déclencher nan tête qui pral tomber nan tête qui pral couper nan moun qui pral révoquer nan moun qui pral blâmer c'est là ça pral ou à côté gouvernement ça a divisé et gen de nèg qui pratiquement en dedans ou k'ap rejoignent yo nan Pèlerin encore dans la rue nan vinn mouler caoutchouc ou k'ap jwenn ou k'ap vinn sensibiliser population pou vinn jwenn yo dans la rue bon comme c'est grande botte nèg yo senti yo confortable dans ça yo senti yo à l'aise dans ça. Et est-ce que la population continue de croiser bras ou puis abgade? Est-ce que la population continue d'accord ça qui a passé là? Je dis en blaise, question grand goût à travers l'insécurité, lui permettre que si messieurs, si mesdames, il y a 20 corps pour être capable de manger. C'est responsabilité de faire agonie. Autorité pas plein. Autorité pas plein, mais autorité poser action, autorité agir, parce que vous faites face avec problème non, vous identifiez déjà, mais aidez, nous chita nous réfléchir à travers le conseil des ministres, nous chita à travers des réunions de haut niveau, et puis nous dit, mais qui ça qui n'a poté, mais qui ça qui n'a bail pour nous résoudre le problème qui gagne. Il n'y a pas qu'à résoudre du jour au lendemain. C'est stratégique, chita planifier, parler, garder, et puis gérer les questions en pleine situation. Désir, pas seulement PM Gaïkoni, mais nous allons venir avec Toro Saha, qui est l'estivolté là, et président. Et président, qui est même te prend la parole dans des activités avant même activité officielle dans les Nations Unies. N'a dit bien pour journée lundi 23. M. Debali, bien que moi, j'ai coupé le micro dans la bouche, monsieur, bon, je vous dis ça. Et M. Clément présente comme président. Bon, c'est président, parce qu'il va oublier tout le qui dans le conseil là, président, oui. Le conseil présidentiel, le président, oui, frère. André de l'Estive Voltaire. Excellence. Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Excellences, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de ce sommet de l'avenir. Cet événement ne représente pas seulement une rencontre de dirigeants mondiaux, mais aussi un moment critique pour construire un futur commun fondée sur les principes de solidarité, d'équité et de justice. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis complexes, je tiens à souligner l'importance du pacte pour l'avenir que nous envisageons d'adopter aujourd'hui à travers ce sommet.
Ce pacte symbolise non seulement un engagement historique pour un multilatéralisme renouvelé, mais aussi une opportunité unique de renforcer les structures internationales afin de répondre aux différentes réalités économiques, sociales et environnementales auxquelles nous faisons face. Le monde est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent qui nécessitent une coopération internationale plus forte et plus inclusive. Dans cette perspective, ce sommet offre une opportunité de revitaliser le multilatéralisme et de moderniser le système des Nations Unies pour qu'elle soit plus inclusive et représentative des réalités actuelles. Les mécanismes de gouvernance mondiale doivent être adaptés aux nouvelles dynamiques économiques et politiques et garantir que chaque nation, grande ou petite, ait une voix dans la résolution des crises mondiales. Cet événement majeur est également une opportunité de repenser la gouvernance mondiale en abordant des sujets tels que le financement du développement durable, l'égalité des genres et la protection de la biodiversité. En particulier, la réforme de l'architecture financière internationale est cruciale pour soutenir la transition de certains pays, en particulier les pays les moins avancés, les PMA, vers un développement durable. Il est essentiel de garantir que les bénéfices de la croissance soient équitablement partagés à travers le monde. Une des pierres angulaires du pacte pour l'avenir est l'inclusion des jeunes et la protection des générations futures. Aujourd'hui, plus de 1,9 milliard de jeunes vivent sur notre planète et leur participation dans les processus décisionnels est cruciale pour garantir une paix durable et un développement équitable. Trop souvent, les jeunes sont laissés de côté dans les discussions politiques et économiques, bien qu'ils détiennent un potentiel immense pour résoudre les crises globales, qu'il s'agisse du changement climatique ou des inégalités sociales. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement s'engagent à intégrer les jeunes dans tous les aspects de la reconstruction nationale. En collaboration avec la communauté internationale, nous veillerons à ce que les générations futures ne portent pas le fardeau des erreurs du passé, mais bénéficient des progrès vers la paix durable et la justice sociale. Ce sommet est une chance de renouveler cet engagement mondial en faisant des jeunes des acteurs centraux du changement et non de simples observateurs. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, Haïti est confronté à une crise multiforme qui menace les fondements mêmes de l'État. La crise sécuritaire, alimentée par un trafic d'organes, de drogues, d'armes et de munitions, greffée sur une crise humanitaire, appelle une solution urgente des autorités haïtiennes avec l'aide de la communauté internationale. Le changement climatique qui intensifie les catastrophes naturelles telles que les ouragans et les sécheresses affecte fortement notre pays. Ces défis dépassent nos frontières et nécessitent une réponse collective mondiale. La stabilité d'Haïti est cruciale non seulement pour la région, mais pour l'équilibre global. Pour surmonter ces défis, Haïti a besoin du support de tous. Les investissements directs étrangers, la lutte contre les inégalités et le soutien renforcé dans les domaines de la sécurité et de la justice climatique sont essentiels pour assurer un avenir prospère à notre pays. Ce sommet de l'avenir est une étape cruciale pour renouveler notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme. Les institutions internationales doivent être réformées pour devenir plus inclusives et adaptées aux défis actuels. La voix des pays en développement comme Haïti doit être entendue dans les grandes assises internationales où se prennent les décisions majeures. La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire pour mieux refléter les dynamiques géopolitiques actuelles. Haïti plaide pour un multilatéralisme véritablement équitable où chaque continent et chaque État, quelle que soit sa taille ou son influence. Bon, finalement, ça c'est côté bon. Par contre, il n'y a pas de salé. C'est son problème technique. Il n'y a pas de ce qui s'est passé exactement. Non, mais Odile, merci. Pendant la parole, il faut couper et Odile, merci. Ok. Ok, pas de problème. Un problème, Mr. Walter. Je continue à parler, puis micro a coupé. Puis on dit merci. Kounia, m'attend désir de qui ça, Edgar Pralzi, bon côté parle lui-même. Est-ce qu'il pral reproduit même parole, monsieur, dis-moi, est-ce qu'il pral poto parole de nouveau? Vous sentez le discours à faire, mais. Ça, c'est comme si mon Gabriel citait mon leçon.
comme si parole n'est pas convaincant. Parole n'est pas convaincant et il va avoir parole comme si président comme président en ma qualité de président d'Haïti. Mes amis, à la côté du président monsieur. Neuf président Blaise, vous sortez tout à l'heure oui. Gen de Cap-Vert, gen sept qui gen gros pouvoir. En sa qualité de président d'Haïti, qu'on y a Edgar dit même à la démesse et le 26. Ah oui? Ah bon, ok, pas un problème. Vous battez comme ça? Hein? Vous battez comme ça? Vous battez comme ça? Nous avons depuis la carrière confirmée de Nabio Blaise et Salte, oui. Ah bon, bah c'est vrai. Et pas Wendel Bernard, qui n'était gen là, qui était dit nous comme ça, pral gen équipe gal baye ne gros pied, ne gal baye ne gros green na baye ça. Bon, Abgain. Bah, Lydie, policier lui offert, et lui annoncé déploiement de 600 nouveaux policiers très bientôt dans le pays. Bon, m'ba konnen ki, m'ba dans l'institution policière là, m'ba konnen ki type d'opération commune que la police fait avec les Kenyans. Aussi, président Outo dit ça, probablement, il y a un rapport qui a cheminé à travers ces troupes qui sont en Haïti. Mais au-delà de ça, écoutez, les problèmes que nous avons là, je vous dis là, m'ba konnen ces forces multinationales qui, pour continuer à aider nous, faut qu'ils soient impliqués davantage, d'où les aller pour nous gagner la paix et sécurité de façon continuelle sur les territoires. D'où la nécessité qu'il faut renforcer la capacité institutionnel et opérationnel de la police et des forces armées d'Haïti et mettre en place un service central de renseignement puisque tout bail n'a pas là tout ça manque là, c'est ça qui le dispositif de sécurité dans le pays, ça manque beaucoup. Un service central de renseignement professionnalisé, c'est pas bail qui a fait tripotage, le monde qui gagne moyen pour faire anticipation, ses connaissances, etc., pour nous coordonner et l'ensemble des données qu'a collecté sur le territoire et soulever sur les groupes, les organisations criminelles pour que l'État avance. Donc ça mandé sur effort national boulier. Cafouillage en Haïti avec répercussion sur New York. Qui est-ce qui doit présider délégation qui dans New York? Combien de monde qui doit participer la dernière? Aux dernières nouvelles, nous apprenons que conseiller Leslie Voltaire, qui était précédé sous le président Leblanc, a eu des mésaventures à New York, côté que le dégain pour participer dans une rencontre côté président brésilien. Le nouveau président du Brésil, tu as rencontré le premier ministre Gary Conny, c'est agent sécurité, pratiquement bloqué Leslie Voltaire. Il dit que non, on a payé son président gain. Il va comprendre question 9. Neuf présidents. L'autant des nouvelles, ça même qui ça dit au. C'est déjà un son héros qui a été commis dès le départ de la formation du CPT. Parce que moi, j'ai quelques membres dans le CPT, à moi, j'ai dit non, ça ne marcherait pas. Ne serait-ce que sur le plan international, ça bat problème. Faudrait-il que tout le monde ait un membre conseil, un conseil de gouvernement, mais qui seul monde dans le reste mon yo fait au chaque ministre. Par exemple, gen la dedans qui économiste de ka ministre finance ou bien ministre de l'économie, gen la dedans qui fait dans diplomatie de ka ministre affaires étrangères, etc. Yo tout tap tourner gon portefeuille ministériel là, mais en sorte que gon moun qui n'a pas l'air, ou t'as décidé qui est-ce qui n'a pas l'air, et le conseil a réuni, le conseil a réuni, réuni entre eux-mêmes, ils prennent décision collectivement ensemble, et ensuite quand le gouvernement a réuni, yo même tout l'autre monde qui pas de même conseil pour réunir. C'est ce qu'on s'est fait sous l'amphi. Pas expliquer ce qu'il est plus intelligent. Non, mais est-ce que le contexte est le même? Non, c'est pas que le contexte est le même. Contexte, c'est pas pareil. Non, écoutez, on parle qu'on le fait. Il faut le président de la République est un organe. Son monde qui exerce, ok? Son organe. Donc maintenant, une fois qu'ils sont organes, la présidence
c'est des structures d'appui au président de la République. Contrairement à ce que nous avons dit, la présidence en soi pas existé, même si tu as un décret sous président Matéli en 2016 qui organisait les services de la présidence. Oh, les services et les organes de la. Mais la présidence, c'est des structures d'appui au président de la République. Il y a le cabinet du président de la République, il y a le secrétaire général, ou bien, comme il y a dans le texte, on parle des bureaux premières dames, ou bien l'intendance. C'est des services d'appui au chef de l'État. Il n'y a pas qu'à prendre décision. Là, c'est le chef de l'État, son monde boulier. Ok, moi, c'est ça, m'te dit, et m'te, ouais, ça t'a privé. Parce que le bras sous là, c'est international. Ou bien, carrefourni, ça, cafouillage, on dit ça. Mais, m'pensez que, nous t'es qu'à éviter, si m'te voulait, si t'es gain volonté. D'ailleurs, premier règle faite dans le gouvernement, dès la formation du gouvernement, les postes régaliens qui étaient des postes du président de la République, c'est Gary Conick, nommé Mounlade. Ministre, Affaires étrangères. Non, mais il est le chef de son gouvernement. Non, mais, comme... écoutez, Désir, merci d'avoir quitté Restari parce que, en tout cas, Gébaï Kap dit Désir. Mon cher, merci à peu mon frère Nakwa, c'est Namita Junior. Il me se parle pour changement. Merci Blaise, merci tout le monde qui t'a regardé. Et pas oublier si vous faites tomber et sous plateforme ça, pas négliger abonner avec Messac Nouvelle, Blaise Info, Point Nouvelle, votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti, Point Nouvelle, pour qu'il y ait toujours été informé à connaître ce qui a passé pendant le pays. Merci tout le monde.